Bonjour et bienvenue dans On vous écoute. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée de la femme, et nous avons choisi de vous parler d'une association qui s'appelle Initiative Goël et qui parle d'un cercle de femmes. J'accueille aujourd'hui Dorothée Allard, une jeune chef d'entreprise, et Jennifer de Grémont de l'association Initiative Goël. Jennifer, Dorothée, bonjour. 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 Alors, Initiative Goël, est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est quoi? C'est quoi comme association, pardon? Donc, Initiative Goël est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique. Et notre activité principale, notre cœur de métier, c'est de proposer des prêts d'honneur. Donc, ce sont des prêts personnels à taux zéro, sans garantie personnelle, aux futurs créateurs ou repreneurs d'entreprise. Donc, des prêts d'honneur, on fait comment pour les avoir, ces prêts? On vient vous consulter? Voilà, donc on est deux chargés de mission, donc on vient consulter ma collègue Madame Bourlard ou moi-même. On est là donc pour apporter des conseils et les guider, donc évaluer leurs besoins et les préparer justement au comité. Donc la personne passe devant un comité et c'est le comité qui décide de leur accorder le prêt d'honneur ou pas. Donc qu'on ait une idée ou qu'on ait déjà son entreprise, on peut accéder à ces prêts ou Alors il faut déjà avoir une idée, effectivement. Bien évaluer, enfin monter tout un business plan, avoir fait son étude de marché, avoir évalué ses besoins, voir l'apport, et après, nous, on peut les guider, effectivement. Et alors, vous avez eu cette idée à l'intérieur de Initiative Goël, c'est de créer un cercle de femmes. Pourquoi vous avez créé ce cercle de femmes? Alors, on a créé ce cercle de femmes parce que, bon, premièrement, c'était une demande des personnes qu'on a déjà financées. Après, on s'est dit, en tant que femme, on a toutes les mêmes problématiques, la garde des enfants, faut gérer le foyer, et en plus, là, cette casquette de chef d'entreprise. Et puis, on a vu aussi, on fait partie d'un réseau Initiative France, et on a vu que nos collègues des autres plateformes avaient créé ce cercle, et ça fonctionnait assez bien. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, sur notre territoire, donc, qui est les communautés d'agglo Lens-Liévin et Nain-Carvin. Alors, Dorothée, vous êtes chef d'entreprise. Comment vous est venue l'idée de participer à ce cercle? Pourquoi vous avez intégré ce cercle? Donc, en fait, j'ai été invitée. Jennifer a envoyé plusieurs invitations aux chefs d'entreprise femmes. Et j'ai répondu présente parce que j'en ai besoin, on en a toutes besoin. On a besoin d'une écoute, d'autres collègues, d'autres mêmes casquettes. Et de conseils. Vous vous êtes déjà rencontrés plusieurs fois avec ce cercle de femmes? Oui, ça fait la troisième réunion. Fois. Ouais. Et donc, à chaque fois, il y a des thèmes sur chaque réunion différente? On est prévenu en amont, on est prévenu du thème. Et pendant la réunion, on donne toutes nos idées, chacune notre tour. Et alors, ça vous a apporté quoi depuis qu'elle est lancée ce cercle de femmes? Ça m'a apporté donc quelques réponses à des questions sur la législation ou d'autres thèmes, mais principalement des collègues et pour certaines des amis. Ah oui, parce qu'en plus, vous devenez amis après. Il y a combien de femmes sur le secteur de l'agglo, des deux agglos? Vous avez combien de femmes dans ce cercle? Sur le cercle, on a une trentaine de femmes là qui commencent. Après, on débute. Hein, on a créé le cercle le 24 septembre 2018. Et oui, enfin, petit à petit, on a des nouvelles personnes, on a des amis, des partenaires, de femmes chefs d'entreprise qui viennent se greffer au noyau déjà présent. Avec des niveaux différents, des métiers différents? Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce cercle de femmes, par exemple, comme métier? Alors, on a chef restauration. Voilà, micro-crèche, donc restauration traditionnelle, des food trucks. Mmh. On a des boulangeries, des esthéticiennes, des coiffeuses. Puis après, on a des métiers, des activités un peu moins récurrentes, comme des agences de voyage ou encore... Le nettoyage, voilà. Nettoyage parce que vous avez une entreprise de nettoyage. Sur Noyelles-Soulanges, c'est ça? Arto Nettoyage et Multiservices. Comment on fait pour vous rejoindre? Alors, il suffit de m'appeler, de me contacter. Les critères, c'est être femme, chef d'entreprise et avoir créé sur une des deux communautés d'agglo. Il y a un coût? Non. C'est totalement gratuit? Totalement gratuit, oui. Et alors, vous vous réunissez combien de fois par an?
Donc là, on a prévu pour l'année 2019, 5 réunions. Donc suite à la dernière réunion, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire plus de réunions. Après, c'est vrai que l'effectif fait que pour l'instant, on démarre sur 5 réunions. Et oui, l'idée, c'est que le cercle soit après porté par ces femmes chefs d'entreprise et puis qu'on puisse le développer. Et vous avez des thèmes déjà pour ces prochaines réunions ? Alors oui, il y a un thème sur tout ce qui est législation, sur... On se pose beaucoup de questions toutes sur la législation, donc on va mêler nos idées, essayer d'apporter des réponses à chacune. Mm-hmm. Vous avez besoin d'aide ? Vous avez besoin de personnes qui puissent venir vous apporter des réponses aussi ? Alors oui, l'idée c'est à chaque thème d'avoir un intervenant extérieur qui nous présente justement le thème et puis après d'échanger, d'avoir un moment d'échange et de questions sur ce thème. Oui. Est-ce qu'il y a des actions que vous allez mener ? Alors là, on a une action qu'on aimerait mener en septembre où on voit en fait que nos collègues, les autres plateformes, créent des salons par exemple. Et donc c'est toutes les femmes qui exercent leur activité, qui montrent le métier, qu'est-ce que c'est que le métier de chef d'entreprise et puis leur activité. Donc oui, on souhaite, Initiative Goël souhaite créer ce salon. En tant que femme, vous auriez pu participer aussi à un club de chefs d'entreprise mixte ? Pourquoi J'en fais déjà partie, mais... Pourquoi avoir choisi spécifiquement un cercle de femmes ? Qu'est-ce que ça apporte en plus ? Ça apporte beaucoup en tant que femme, parce que on est chef d'entreprise, mais avant tout on est femme, on est épouse et maman. Donc ça apporte, on peut échanger énormément. On se retrouve forcément toutes dans le même cas pratiquement. Et est-ce puis, que c'est plus c'est... facile de parler Exactement. Entre femmes on a que avec d'autres chefs d'entreprise, qui, hommes par exemple, qui pourraient voir d'un Forcément. Mauvais œil les femmes ? Forcément. Est-ce qu'il faut le dire ou pas ? Il y a beaucoup plus de facilité entre nous, entre femmes. On sait de quoi on parle. Quand on parle des enfants, là récemment, quelqu'un nous a expliqué qu'elle était en pleine rupture à cause de son statut de chef d'entreprise. Voilà, on a toute une oreille attentive, forcément, et on comprend. On se met à la place d'eux, forcément. Alors, est-ce qu'on peut avoir une adresse mail, un Facebook, des choses où on peut vous contacter Facebook, directement, un numéro de téléphone Bientôt, le Facebook. Oui, alors on a un Facebook Initiative Goël. Et l'idée, c'est justement, suite à la dernière réunion, c'est de créer un groupe au sein de ce réseau social pour que tout le monde puisse communiquer ensemble et donner les idées des prochaines réunions, donner, par exemple, nous, de notre côté, si on a une nouvelle aide ou une nouvelle loi qui passe, informer toutes les personnes qui sont inscrites à ce cercle. Après, au niveau de... Je peux vous donner mon mail, par exemple. Donc, c'est J, comme Jennifer, .degremont, donc D-E-G-R-E-M-O-N-T, @initiative-goel.fr. Voilà, donc un dernier mot de la fin, peut-être, sur ce cercle de femmes. Vous avez quelque chose à ajouter ? Vive les femmes. Vive les femmes. Cette journée de la femme, je pense que c'est très très bien. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Télé Goël. Longue vie à Initiative Goël et surtout en cette journée de la femme, c'est bien de parler de cette initiative. Et à très bientôt dans On vous écoute.